Derek Droit, il est en pleine concentration. In my career, I've always kind of just focused on just trying to be as competitive as possible. Il a l'expérience des Jeux. Il a gagné le bronze. C'est le champion du monde en titre. Regardez son regard. This season, I want to win whatever there is to win. Today, I'm ready to do whatever it takes. La carrière de Derek Drouin débute sur les chapeaux de roue. En plus de dominer le circuit universitaire, le spécialiste du saut en hauteur remporte le titre canadien en 2010. Malgré une grave blessure au pied, un an avant les Olympiques, Drouin est choisi pour représenter son pays aux Jeux de Londres. Les Jeux de Londres sont lancés en grande pompe en juillet 2012. Derek Drouin. Et son premier essai est à 2,29 m. Il a déjà passé 2,20 m, 2,25 m au premier essai. Et là, premier essai, 2,29 m. Ça, c'est important de passer au premier essai parce que en cas d'égalité à la fin du concours, on va regarder le nombre d'essais qui ont été utilisés, le nombre d'essais manqués pour départager les concurrents. Alors, s'il passe à chaque fois au premier essai, ça, c'est son avantage. Oui, très, très beau saut. Et regardez, il est en maîtrise, là. Et un premier niveau qui était vraiment à portée de Drouin compte tenu de ce qu'il a fait cette année, Jean-Paul. Ah oui, il a sauté seulement, enfin seulement, il a sauté 2,31 m, son record 2,33 m. Vous voyez comment il a bien enroulé la barre, tout s'est bien dégagé. Là, on est à 2,33 m, mais il va y en avoir un paquet qui ne vont certainement pas passer cette hauteur-là. C'est pour ça que le nombre d'essais à chaque hauteur est très important. Moins on prend d'essais pour arriver à une hauteur, mieux vous êtes classé en cas d'égalité. Alors ça, c'est son deuxième essai. Il le sait. Si ça passe, il aura deux essais dans la banque. Oh là là, il a dégagé ses mollets un petit peu trop tard. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un sauteur en hauteur au Canada comme ça. Alors qu'on revoit d'un autre angle. Voilà. Le bout des fesses a fait toucher la barre. Regardez-moi. Ça passe bien, hop, il frôle avec le bout des fesses. Il suffisait qu'il cambre encore un peu plus au-dessus et ça passait. Dernier essai de Drouin à 2,33. Beaucoup de concurrents sont déjà tombés. Il en reste peu. Et c'est cette hauteur à 2,33 m qui va déterminer le choix des médailles. Allez, Derek. Il est très grand, vous voyez, il est bien foutu, hein. Musculairement, le gabarit du sauteur en hauteur idéal. Et la personnalité typique du sauteur en hauteur. Et c'est parti. Oh là là, encore la même chose. Dégage trop tard. 2,33 m. Donc son meilleur saut est à 2,29 m. Et il n'est pas le seul à avoir en banque 2,29 m. Il y en a quelques autres également. Mais lui, comme il a eu un concours parfait, vous voyez, 2,20 m réussi, 2,25 m, 2,29 m, il a juste pris un seul essai. Et là, c'est encore les fesses qui ont touché. Et donc, lui et deux autres se démarquent à 2,29 m du reste de ceux qui ont fait 2,29 m. Et quand Nieto avait raté, voilà. Là, il avait choisi de s'arrêter. Et ça passe. Ça passe, voilà. Il sait qu'il est champion olympique. Triple égalité pour la médaille de bronze et cela inclut le Canadien Derek Drouin sur la piste ici tout autour du stade olympique. Vous apercevez donc Drouin drapé évidemment du drapeau canadien. Ben Derek Drouin a vraiment causé la surprise pour le Canada. Alors donc Ivan Ukhov de la Russie, médaille d'or. Eric Kennard des États-Unis, médaille d'argent et trois médaillés de bronze, dont le Canadien Derek Drouin. Médaille de bronze ex aequo, représentant le Canada, Derek Drouin. À 22 ans, Derek Drouin ne rate pas ses débuts olympiques. En montant sur la troisième marche du podium, il obtient la première médaille olympique du Canada en saut en hauteur.
depuis la médaille d'argent de Greg Joy à Montréal en 1976. L'Ontarien poursuit sur sa lancée après les Jeux olympiques et consolide sa place au sein de l'élite mondiale. Il bat son propre record national en réussissant à franchir la barre du 2,40 m lors d'une compétition en Iowa. He still leads the competition, though. Quelques mois plus tard, il décroche la médaille d'or aux Jeux du Commonwealth en franchissant la barre de 2,31 m. So second attempt for Druin of Canada. Oh, that's better. That's what we expected on the first jump. That's what he expected on the first jump. Derek Drouin, on est à 2,37 m. En 2015, Derek Drouin lance parfaitement sa saison à l'approche des mondiaux en remportant la médaille d'or aux Jeux panaméricains devant son public à Toronto. Et il s'est réussi, c'est sa meilleure performance de la saison. Derek Drouin qui était le grand favori. C'est gonflé à bloc qu'il se rend aux championnats du monde de 2015 qui se tiennent à Pékin. Derek Drouin to 2:34, aiming to become the first Canadian to take the gold in the World Championship. Oh, what a platform! What a display of nerve and class from the Canadian. And it's up to Bondarenko and Gao Weijiang to respond. Bondarenko has to do it on this jump to defend his title. Oh, and he's gone. A wave to the crowd. A brilliant effort. Will this battle for gold continue? This is it for Gao Weijiang. He has to clear 2:34 and match Derek Drouin, or it's the silver with Bondarenko. The whole stadium are roaring him on, willing him on. Not to be, it wasn't close, but he has produced the best finish from a Chinese high jumper in history. And it's the gold for Derek Drouin, the first Canadian to take the high jump title. Derek Drouin. Au sommet de son art, l'athlète est couronné champion du monde avec un saut de 2,34 m, battant de justesse le Chinois Gao Weijiang et l'Ukrainien Bohdan Bondarenko. This is the biggest prize of his life. No Canadian has ever won this title until now. Merci de vous lever pour l'hymne national du Canada. Tout est en place pour ses deuxièmes Jeux olympiques. Canada! Août 2016, la planète a les yeux rivés sur le Brésil qui accueille les premiers Jeux olympiques en sol sud-américain. Notre champion du monde l'an dernier, au terme d'une prolongation à 3 sauteurs à Pékin, il a toujours la même petite routine. Oui, oui, oui. C'est de l'auto-hypnose. Vous voyez, il surveille un peu le chrono, mais en même temps, il se prépare sur son saut. On vient de voir l'entraîneur canadien de Drouin. Oh, oui, 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 oui! Derek Drouin est en pleine forme. Honnêtement, là, Bashim, là, oh, il me fait très peur. Oui, oui, mais ça fait 2 sauts, là, que les fesses sont pas mal proches de la barre. Mais il prend pas d'élan. Oui, il a presque pas d'élan. Celui que vous voyez, c'est Bohdan Bondarenko. Il est champion d'Europe, mais ce qu'il manque à son palmarès, c'est une médaille olympique. Et c'est cette médaille qu'il aimerait bien venir chercher ici à Rio. Il a fait l'impasse à 2,29. Le voici à 2,33. Ça va être difficile, mais pas impossible. Oh oui, oh oui! Il a de la marge. Il a de la marge. C'est un des 3 candidats aux médailles. Oh là là! Alors, on ne peut pas être candidat aux médailles et pas avoir de détente. Oh non. Il y a beaucoup de vitesse. Derek Drouin, 2,33 m. Il a déjà fait 2,40 m au cours de sa jeune carrière. C'est parti.
Mannequin, acteur et champion du monde, voici Jerome Blake. Né en Jamaïque, Blake est doué sur la piste d'athlétisme dès ses débuts. Mais c'est un autre sprinteur canado-jamaïcain qui l'inspire, Donovan Bailey. À sa première expérience olympique à Tokyo, Blake ne joue certainement pas un rôle quand il aide ses coéquipiers à remporter l'argent au relais 4x100 mètres. Il consolide sa réputation en ajoutant le titre de champion du monde à ses accomplissements l'année suivante. Avec un tel succès, Jerome Blake n'a certainement pas besoin d'un plan B à l'écran. Mon destin, des récits d'athlètes qui réalisent l'impossible. Présenté par Toyota. Derek Drouin, 2 m33. Il se voit sauter sa barre. Regardez, vous voyez? Hop, regardez. Et ça, il remime. Et il va repasser dans son paysage qu'il vient d'imaginer. Il vient d'imaginer le saut parfait. Et il va essayer de coller son geste sur ce qu'il vient d'imaginer. De l'imagerie mentale. Ouais. Oui, c'est de l'auto-hypnose. Vous voyez? Et il part dans son film. C'est parti. Oh, et voilà. Oui, oh voilà. Oui, 2,33. 33. C'est pas encore la médaille, mais ça s'approche. Ah non, non, peut-être pas. Mais un saut drôlement important. Techniquement, très bien. Robert Grabars, de la Grande-Bretagne. Yeah. Oh, sort du matelas. Ça passe. Non, il reste là. Et ça passe. Ah non. Non. Était-il encore sur le matelas? C'est rouge. Un essai. Oh! Qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi n'est-il Exactement. Pas sauté? Ça, c'est une stupidité, alors. Oh là là. Il là, risque là. Peut-être de perdre une médaille à cause de ce saut-là. Retenez ce sort, geste-là. Sors! Quand tout ça fait. Bouge, sors! Ben non, on peut pas faire ça. Ben, tout ça pourrait déranger le Qatari, là. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ben, si est-ce qu'on va poser un protêt? Non, ben, ils vont certainement poser un protêt, c'est sûr. Simplement, ils vont le refaire sauter un petit peu plus tard. Son erreur, c'est de pas être, d'avoir pris le risque de rester sur ben, le matelas. Ben oui, voici Barchim. Drapeau blanc ou drapeau Et rouge. Barchim, ça passe. Barchim, ça passe facilement. Alors, voici Derek Drouin. 2 mètres 36. Ouais! Et voilà! Derek Drouin, 2 mètres 36! 2,36, ça porte. Oh! C'est presque une marche sur le podium. Oh! 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 Grabars, lui aussi, il est dangereux. Il est dangereux, il est dangereux. Techniquement, il est très bien. Attends, regardez ça. Trop loin. Ça ne passe pas. Il a pris l'appel trop loin. Moutaz et Sabarchim, le Qatari, là. Moi, Et voilà. Et voilà. Wow! Wow! Là, il commence à mettre de l'expression dans son geste. Si Protsenko rate, on peut vous confirmer que notre Canadien Drouin aura une médaille. Et là, il relancerait toute la machine. Non. C'est complètement raté. En là. Pleine visualisation. Regardez. On va juste vous laisser regarder ce saut. Sur la médaille. Oh, quelle performance! Wow! Regardez la hauteur. Il fallait qu'il dégage vite. Il a même tourné son genou pour pas que le talon se passe en dessous. Et ça, c'est vraiment formidable. Vous voyez, ça, c'est un grand athlète. Moutaz et sa Barchim. Petite course d'élan. Alors, ça, c'est bon. Alors, Drouin est, pour l'instant, en avant dans le concours. Il est en position de force. Parce que là, ça va être un jeu stratégique, psychologique. Et ça va déterminer le champion olympique. Il est en très, très bonne position pour le faire. Peut-être que Bondarenko va passer. Il va peut-être faire la passe. Il va peut-être faire l'impasse. Mais s'il fait l'impasse, peut-être que Drouin pourrait le faire aussi. Aussi. Drouin est en excellente position. Pour l'instant, Bondarenko a raté à 2,38. Il doit refaire 2,38, mais peut choisir la prochaine hauteur qui serait à 2,40. Il pourrait faire ça. Et Bondarenko a ce qu'il faut. Il a déjà fait 2,42. Ben oui, ben oui. Mais
Il va sauter. On attend toujours. Oui, il va sauter. Il va sauter. Il va sauter. Alors, lui, s'il veut rester dans les chances de médaille d'or, il faut absolument qu'il passe celui-là. S'il doit aller au troisième essai, là, ça va être une catastrophe. Ah oui, ah oui. Parce que si jamais, voyez, on l'expliquait tout à l'heure, si jamais il passe lui aussi 2m38, mais au deuxième essai, que notre ami va passer aussi au deuxième essai. Alors, on va dire comment on les détermine. Eh bien, ils ont passé au deuxième essai, Derek a passé au premier, c'est lui la médaille d'or. Drouin est encore premier. C'est comme ça avec les essais qui sont ratés. Voici Bondarenko. Non, ça ne passe pas. Ah là 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 là, attention. Ça va faire mal au dernier essai, M. Bondarenko. Il peut revenir au troisième et relancer toute la machine. On a vu ça au sol à perche hier. Oui, tout à fait. Il n'y a rien de décidé sur le papier. Donc il faut aller chercher Derek à la hauteur supérieure. Donc comme ils ont déjà pris deux essais, bon, je rappelle les trois essais consécutifs ratés. Donc ils vont tenter de le rater, mais plus haut et de réussir. Alors, autour de Moutaz et Sabarchim à 2m38. C'est là que nous sommes en ce moment. C'est raté également. Bon. Voilà. Alors, ils vont aller chercher le troisième essai. À 2,40. À 2,40. Bah, on attend. Il n'y a pas d'indication encore. Bon, c'est sûr. Mais oui, c'est la logique même. Ils ont le même concours. C'est la logique même, ouais. Donc, ils vont dire pourquoi se battre encore à la même hauteur pour un classement qui ne changera rien. Ah, alors, c'est un coup de dé, hein. Coup de poker. Barchim à 2,38. Dernier essai. Ça ne passe pas. Alors, ça ne passe pas, mais on n'a toujours pas décidé de la médaille. Non. Il n'y a rien décidé pour la médaille. La couleur de la médaille, non. Parce que Bondarenko n'a pas sauté. Exact. S'il manque son troisième essai, ils vont être ex aequo. Ouais. Ils vont être ex aequo en médaille d'argent. Ex aequo à l'argent. Parce qu'on ne fait qu'un saut de barrage uniquement pour la médaille d'or. Pour la médaille d'or. Ah là là, il est parti. Regardez-le. Alors là, Barchim. Ça passe pas. Chose certaine, Barchim n'aura pas l'or. On rappelle aux téléspectateurs, si Bondarenko rate, Derek Drouin est médaillé d'or. C'est ça. Oh là là, attention. Il a 36 secondes pour refaire le saut. Il n'a plus beaucoup de temps. Il a 36 secondes pour refaire le saut. Vous imaginez la pression qu'il a. Ouh là là. Ah non. Et ça file. Ah non, 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 non. 25 là, là, là. Secondes. Ah non, non. Il va partir à la catastrophe. C'est un essai. Si ça arrive à 0 seconde et qu'il n'a pas parti, qu'il n'est pas parti, c'est terminé. Il va partir. Imaginez ce que pense Derek là en ce moment. Imaginez tout ce qui se passe dans leur tête. Où est le chrono? Qu'on nous montre le chrono. Qu'on nous montre le chrono. Attention, il est parti. Il n'a plus le choix là. Il ne peut plus revenir. Il n'a plus le choix. S'il s'arrête, ça ne passe pas. Mais non, c'est fini. Pour Derek champion olympique, Derek. Médaille d'or. Oh, oh, Derek. C'est fait. Bravo. C'est fait. Le scénario parfait. Oh. Scénario parfait. Bravo, Derek. Bravo, bravo, bravo. Et quelle tête. Ce n'est pas terminé. Il a beau avoir la médaille d'or. Pourquoi ne pas essayer 2,40 et le record olympique d'enlever, d'effacer celui de Charles Austin, qui est là depuis 96. Non, il n'a plus de jus. Ah, il n'a plus de jus. Dommage. Tout vient de descendre. Je sais. Est-ce que Derek Drouin saute? Ben non, il a fait signe, non. J'ai pas compris. Je sais pas, mais là c'est 2,40, il a l'air à vouloir sauter. Et s'il réussit, c'est un record olympique. Il va peut-être tenter le concours olympique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est parfait jusqu'ici, pourquoi pas? Allons-y, il a 1,5 minutes aussi. Est-ce que ça va passer? Non. Voilà, il dit merci. Il l'a tenté quand même. Je vous l'avais dit, tout le jus qu'il avait est tombé dans les chaussettes, dans les poings. Il n'y a plus rien en haut, il n'y a plus rien dans la tête. C'est juste le cœur qui bat à toute vitesse. Il vient d'indiquer, c'est terminé. Ben oui. Votre champion olympique est Derek Drouin avec un concours parfait. Sauf à la barre qui était là pour le record olympique. Médaille d'or, Derek Drouin. Ah, là, là. Fabuleux. Bravo. Derek Drouin. Grâce à sa performance quasi parfaite, Drouin devient le premier Canadien à remporter une médaille d'or olympique au saut en hauteur depuis Duncan McNaughton
aux Jeux olympiques de 1932 à Los Angeles. But Duncan McNaughton of Canada takes the Olympic title at 6 feet 5 and 3/8 inches. Of course, I feel very happy as anyone would under these circumstances. En 2021, Drouin voit sa médaille de bronze des Jeux de Londres changer de couleur. Le champion olympique, le Russe Ivan Yukov, est disqualifié par le CIO, ce qui permet aux Canadiens de mettre la main sur la médaille d'argent. 9 ans plus tard, Drouin devient donc vice-champion olympique des Jeux de Londres. Les années suivantes sont difficiles pour Derek Drouin. It is disappointing for me, and hopefully I'll get more chances in the next couple of years. Ralenti par bon nombre de blessures, l'athlète ontarien doit prendre la décision crève-cœur de mettre une croix sur les essais canadiens et les Jeux olympiques de Tokyo. C'est par les réseaux sociaux que Drouin, 31 ans, a annoncé son forfait pour Tokyo. C'est quelque chose qu'on prévoyait. Il est blessé au tendon d'Achille gauche et c'est la même blessure qui lui a fait rater les championnats canadiens il y a un mois. Malgré l'adversité qu'il a dû traverser lors de sa carrière, Derek Drouin aura laissé sa marque dans l'histoire de l'athlétisme canadien comme un, sinon le meilleur sauteur en hauteur de l'histoire du pays.